Allez, que je vienne ça. Oh shit, Elianzi. Calisthenics. Calisthenics Group. Shit, man, bonne fête à toi. Merci beaucoup. C'est ton anniversaire, ouais, c'est ton anniversaire. Here is Gavin, 24 feet, directement venu de Québec hier soir. Exactement. Ouais. Pour rejoindre ma blonde parce qu'elle habite ici. Ouais. Là, j'ai apporté le petit équipement pour filmer. Aujourd'hui, j'ai pris ça un petit peu à la légère. J'aurais peut-être dû prendre mon autre. Enfin, c'est mon matos habituel là, parce que. Ouais, exact. Si on sort des gros trucs aujourd'hui, ouais. ça aurait supposément, été cool. Supposément sortir des gros trucs. Et, en tout cas, on reste à mon niveau, c'est ça. Hello tout le monde, c'est Jérémy, donc on se retrouve maintenant un vendredi soir. Oui, un vendredi soir pas spécialement beau. Sans tout de suite la différence de température entre l'été et l'automne. Maintenant, je me retrouve avec un manteau, un petit foulard et le mauvais temps. Surtout le mauvais temps. Ce soir, je me dirige vers le centre-ville, direction un restaurant. Je me souviens plus du nom, mais apparemment, on y sert les meilleurs burgers de la ville. Donc tout ça en direct, en images. Délicieux, c'est le meilleur burger que tu mangeras de toute ta vie. Ah ouais, ouais. Rappelle-moi le nom du restaurant pour voir. Burger Bar Crescent. Si, je l'ai pris au mot, hein. On va vraiment voir si, le burger en vaut la peine. Moi j'ai confiance. Après le training, normalement ça fait vraiment beaucoup de bien. Faut pas faire ça à chaque fois par contre. Non. Changement de plan, les amis. Le restaurant ne prend que les réservations. Je suis trempé, attends, je vais me recoiffer en attendant. Ouais, c'est triste. Habituellement, ils nous prennent, mais là, ça marche pas. Déçu. Ouais, vraiment déçu. Ouais. On va aller dans un autre resto, ça s'appelle Warehouse. C'est aussi bon, mais pas aussi bon que là. Ouais. Et sinon, le plan C, ce sera les trois. Let's go. Les trois brasseurs. Est-ce qu'il fait attendre que l'on vous assigne une table? C'est vraiment pas aussi bon que Burger Bar, mais bon, ça fera l'affaire. Okay. Ça va être bon, c'est quand même, ce sera bon. Ouais, ce sera bon. Et de retour à la maison. Ok, le burger était pas si mal que ça, on va dire. Bon, on n'a pas pu le faire jusqu'au Burger Bar, mais par contre, on l'a fait jusqu'aux trois brasseurs. Ce qui peut être un peu classique dans le fond, mais
ça a pu dépanner pour le moment. Ce n'est que partie remise, comme Moran et Gavin l'ont dit. Donc, Gavin, c'est une connaissance, enfin un ami que j'ai rencontré au parc en début d'été. Lui, il vient de La Réunion. Et moi, je viens de Madagascar. On s'est vite rapprochés. Donc, tout ça pour vous parler de la calisthenics. Oui, aller s'entraîner dans un parc, c'est super parce que vous pouvez rencontrer du monde qui peuvent vous aider et avec qui vous pouvez bien vous entendre. Cet aspect social, en fait, qui est vraiment important quand on s'entraîne au parc. Ça, beaucoup de monde me l'ont affirmé. Le parc m'a permis vraiment de faire la rencontre de beaucoup de personnes, que ce soit Gavin, Florence, Canen, Ellie, Arnaud, Schneider, même Ravière. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est aller m'entraîner dehors, là. Parce que non seulement vous entraînez, mais en plus vous faites des amis facilement. Vous avez une seule passion, c'est le sport. En parlant de sport, demain, je vais retrouver encore une fois Gavin pour qu'on filme un petit peu petit training avec en prime un pull-up contest. Et le tout sera sur caméra, bien évidemment. Bref, au revoir. Et bonjour à tous, on se retrouve après ce joli vendredi soir pluvieux, remplacé par un super beau temps, un petit peu froid, mais un beau temps quand même, ciel bleu ensoleillé. Bref, aujourd'hui, maintenant, on se retrouve pour le pull-up contest. Le pull-up contest est vraiment facile, il suffit juste de faire le plus de reps possible en pull-up. Man, t'es super blanc et j'aime ton outfit. Hein. Ça, c'est le gars-là qui est allé à la bibliothèque et qui a décidé de sécher un petit peu les révisions pour participer au pull-up contest. Et here is the Flora. Moi, je savais pas que c'était ça. Ouais, c'est ça. Bah, tous les participants sont bienvenus là, maintenant. Non, non, non. Mais à force. This guy is a beast. No. Non. Salut la beast. Non, non, non. Salut la beast. Avec le front lever que tu viens de faire là, moi je suis pas encore capable.
petite séance de training calisthenics avec mes amis terminée. Maintenant, ce soir, je vous prévois un petit match de pré-saison des Canadiens de Montréal. Je ne sais pas contre qui, mais je dois rejoindre ma cousine vite fait au centre-ville. Je vous retrouve là-bas. Du Canadien contre les Sénateurs d'Ottawa. Ça va être spécial. Je suis déjà venu l'année dernière pour assister au même match. Je n'étais vraiment pas déçu. Là, on va voir ce que le Canadien nous réserve. On espère une belle saison. Peace. Merci. Oh, come on. Man, ça commence vraiment mal. Entre les deux jambières. C'est pas grave, on se rattrape. Première période compliquée. On se fait mener 1-0. Mais bah compliqué pas vraiment. Joué. On a super bien joué, ouais. On attend plus pour la suite. Il y a plus d'occasions, on a des bonnes occasions. A few moments later. Tomorrow. Dernier événement de la journée, mesdames et messieurs, c'est En tout cas, c'est un événement, ça va être cool. Ouais. Un événement de hip-hop, d'exercice physique ou ouais. Je ne sais plus quoi. Un événement culturel. Street art. Ouais. C'est ça, ouais. Dernier événement du week-end pour vous, messieurs, mesdames et messieurs, j'arrête de vous embêter pour la semaine. Raison, tu tournes à droite, mieux qu'on tourne à gauche. Just got real. Ça va? Voilà, friends. Ouais, mais... This is the boss here. Ça va? Thank you.
si je me retrouve avec Monk E du K6A. On est présentement au Hip Hop You Don't Stop, qui est un événement annuel dans NDG dans le parc. Une compétition de graffiti sur camion, compétition de breakdance, concert de hip hop avec tacos et bouffe d'un peu partout dans le monde. Petite tradition toutes les années apparemment. Là, exactement. Monsieur et son équipe ont été champions l'année dernière apparemment. L'an passé, on a gagné le butin de 100 aérosols et la fierté d'être les gagnants. Mais en fait, on participe à chaque année et puis on se partage le championnat entre équipes. On est plusieurs équipes qui peignent depuis plusieurs années à Montréal. Donc, grosse dédicace à tous les gens qui peignent et qui augmentent le style, l'esthétique et l'idée derrière leur peinture depuis longtemps à travers l'art urbain et le graffiti. Est-ce que vous représentez un certain quartier ou certains hoods ou... La Voie Lactée est notre quartier, cher ami. La Voie Lactée, voilà. Ça c'est profond, ça, j'aime ça. Voilà. Donc je vous invite tous à venir supporter notre ami ici. Comment s'appelle le groupe? Moi c'est Monk.E et le groupe c'est le K6A, qui est notre collectif artistique de Montréal. Je mettrai le lien en description pour que vous allez voir le travail. Et en passant, j'aimerais vous montrer en fait le camion. Tadat! En cours. Ouais. C'est que le début, hein. C'est que le début. On attend de voir la suite. Allez, bonne chance. Allez, merci à vous. Boom. Direct du fameux événement là, on retrouve Ravière. Putain, mec, on s'attendait tellement pas à te voir. Monsieur ici présent, est parti à Cuba, ensuite en Chine. On l'a plus revu pendant combien de temps? 9 mois. 9 mois, hein. Là, on est tous contents. Ouais, il s'entraîne à les faire. C'est ça, regarde avec le drapeau cubain ici. Cuba. Okay. Ça c'est l'officiel, ça c'est celui qu'utilisent les gens des sélections nationales. Ah ouais? Ouais, c'est avec ça, j'ai entraîné avec la sélection nationale des luttes. C'est pour pas dire qu'il a acheté sur eBay pas cher. Le monsieur ici présent m'a conseillé les smoothies. Mais ça dépend son origine. Hein. Selon l'origine. Cantaloupe. Ah, US. Non, mesdames et messieurs, je vous raconte l'histoire. En fait, on s'est rencontrés au parc, c'est ça? Avec Schneider et moi. Moi, je t'ai rencontré là. Ouais, et la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il s'appelait Enrique. Et sur Facebook, je l'ajoute, il s'appelle Ravière. Il y a un truc qui va pas là. C'est pas lui qui est sorti, Enrique. Ah, si, c'est toi qui me l'as dit, je me rappelle. Tu m'as dit que tu t'appelles Enrique. Je me rappelle ça. C'est quelqu'un qui voulait pas se faire spotter. Bref, on s'est rencontrés au parc. Quand je vous dis, faites-vous des amis, c'est le meilleur moyen. Cheers. Merci beaucoup. Hein.